J'étais un soir en train de regarder la télévision. C'était au moment où les Kurdes étaient pourchassés par les Irakiens, dans les montagnes, dans la glace, dans la neige, massacrés pour rien. La vie humaine, si peu de valeur aux yeux des hommes. J'étais arrivé à un tournant de ma vie où j'étais dans le désespoir le plus total. Le bilan, il était l'échec, finalement des échecs, finalement une tonne de souffrance. De la souffrance, et encore de la souffrance, et toujours de la souffrance, et toujours de la solitude dans cette souffrance, et un masque permanent pour cacher cette souffrance, pour cacher ce néant, pour cacher cette solitude, pour cacher ce vide, pour cacher ma détresse, pour cacher mes hontes, pour cacher ma culpabilité, pour cacher tous mes ratages. Mais il y avait une chose dont je n'avais même pas conscience, c'est à quel point j'étais désespéré. Parce que tout était arrivé insidieusement, depuis que j'étais toute petite. Je ne me souvenais pas, même pas, d'un seul jour de joie dans toute ma vie. Je n'en avais pas eu un. J'avais eu quelquefois quelques heures d'illusion, mais je n'avais pas eu une seule journée de vraie joie. Mais je ne savais même pas si c'était anormal. Alors, tout d'un coup, est apparu sur l'écran le visage d'une vieille femme kurde. Elle n'était peut-être pas si vieille que ça d'ailleurs. Mais tout d'un coup, ce visage m'est apparu comme le visage de la douleur absolue. C'est une femme qui avait tout perdu. Qui vivait dans le froid, dans la peur, qui avait tout perdu. Ses enfants avaient été tués, etc. Et j'ai vu ce visage, c'était la douleur absolue. Et dans ce visage, tout d'un coup, c'est comme si je regardais dans un miroir. J'ai vu mon visage. Et en voyant mon visage là, j'ai pris conscience de l'horreur totale, du désespoir total qui aime m'habiter, de la violence de ce désespoir. Et ça a été un tel choc, mais un tel choc, vous savez, comme quelqu'un qui se verrait pour la première fois, vraiment. C'est quand même panique qui m'a pris. Et j'ai dit, je me tue tout de suite. Et il s'est passé tout à fait autre chose. Je suis tombé à genoux et je me suis mis à crier à Dieu. Et j'ai crié à Dieu pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, c'est toute ma colère, ces 50 ans de colère qui sont sortis. J'étais en train de crier à Dieu, comment tu as pu faire un monde pareil? Comment tu as pu faire des choses pareilles toute ta vie? Mais comment peut-on dire que tu es bon? Mais regarde ce qui se passe dans ce monde. Pendant 3 jours, j'ai contesté. Et au bout de 3 jours, un livre est tombé à mes pieds. Quand je l'ai ramassé, il y a une phrase qui a jailli de ce livre. Un livre est tombé tout seul de ma bibliothèque. Ce n'était pas une Bible, mais j'avais des centaines de livres ésotériques et dedans, il y a souvent des références bibliques. Il y avait écrit « Mon royaume n'est-ce pas de ce monde ?» Et vous savez, j'ai su que c'était Dieu qui me répondait, que Dieu venait de me parler et que depuis 3 jours, il m'avait écouté. Mais vous savez, c'est un choc incroyable. Pour moi, c'était Dieu, il ne pouvait pas nous entendre. Il était très très loin. Et là, tout d'un coup, Dieu me montrait qu'il m'avait entendu. Et qu'il était tout près de moi. Alors, ça a été... Tout d'un coup, j'ai dit, mais si Dieu existe, s'il m'entend, mais il faut que je le rencontre. Il faut que je le trouve, ce Dieu-là. J'avais tellement cherché de choses toute ma vie. Et là, tout d'un coup, je découvrais que Dieu existait vraiment, qu'il était vivant, qu'il était près de moi. Alors j'ai dit, il faut que je le trouve, il faut que je le rencontre. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. Alors j'ai commencé à aller dans des tas d'églises, des églises protestantes, des églises catholiques, des églises arméniennes, des églises orthodoxes, des églises, partout. Je disais, je veux rencontrer Dieu. Je ne savais pas qu'on ne rencontre pas Dieu, c'est pas la religion. Qui nous fait rencontrer Dieu. Je crois que je vais en choquer quelques-uns, et pourtant ce que je dis, c'est vrai. Dieu est une personne, pas une doctrine. Et moi, je cherchais Dieu dans des doctrines. J'y ai pas rencontré Dieu. Alors je me suis lassé des églises. On m'avait remis une petite Bible, je cherchais Dieu dans la Bible. Mais j'étais tellement lié que j'étais incapable de comprendre un mot de la Bible. Je ne comprenais rien. Ça me paraissait
Vous savez, les phrases pouvaient danser devant mes yeux, pour moi elles étaient vides de sens. J'ai abandonné la Bible. J'ai tapé sur Minitel en disant, il y a peut-être un 36-15 Dieu, avec les moyens de télécommunication modernes, on peut peut-être accéder direct au ciel. Pas de 36-15 Dieu. Heureusement, parce que je ne sais pas ce que j'aurais trouvé entre nous. Puis j'ai continué quand même à essayer de parler à ce Dieu qui m'avait parlé une fois. Ma situation était catastrophique, ma situation financière. Elle est devenue de plus en plus catastrophique. Et à un moment donné, j'étais acculé à rembourser des dettes absolument énormes, mois après mois. Et en fait, c'était impossible parce que la conjoncture n'avait pas du tout changé. Mais bon, j'essayais. Et puis, premier mois se passe. Miraculeusement, j'arrive à rembourser toutes mes dettes. C'est-à-dire que pour une entreprise que j'avais dû réduire à une seule personne, moi, que je ne pouvais pas payer, ben j'avais 100 000 francs par mois à rembourser comme dette. C'est un peu cher quand même. Surtout que je n'avais pas un centime. Bon, premier mois, miracle, j'arrive à rembourser. Deuxième mois aussi, encore des affaires, miracle. Troisième mois, pareil, des affaires, miracle. Puis là, je commençais à sentir qu'il se passait des choses étranges autour de moi. Il y avait comme... Vous savez, je ne savais rien de Dieu. Je ne savais rien, je ne savais pas qu'on peut ressentir la présence de Dieu. Je ne savais rien du Saint-Esprit. Mais je sentais quand même, je percevais qu'il se passait quelque chose autour de moi. Mais vraiment quelque chose. Mais c'était un vague sentiment, pas très net. Ça faisait maintenant presque 9 mois que je cherchais Dieu. Que je parlais, j'essayais tous les jours de parler un petit peu avec lui, mais j'entendais plus de réponse. Et puis, le 1er décembre au matin, j'ai plus de réponse. Et puis, le 1er décembre au matin, je reçois une lettre commandée de ma banque qui me somme de rembourser sous 4 semaines les 250 000 francs de découvert que j'avais. 350 000 francs à rembourser dans le mois, alors que j'avais pas une seule affaire signée. Alors là, c'est tombé comme un coup d'épée sur moi. C'était terminé. J'avais plus d'espoir parce que c'était strictement impossible. Il fallait en général entre 2 et 3 mois, entre le temps où je signais une affaire, où elle se réalisait, et elle n'était payée que quand elle était réalisée. Et j'avais pas une affaire au 1er décembre. Et ma banque, si elle me mettait en rouge, j'étais terminé. Mais comme j'étais caution, j'avais toutes les dettes que je devrais rembourser à vie. Sans pouvoir trouver un travail à 50 ans. C'est-à-dire que c'était terminé. L'espoir était terminé. C'était fini. Il y avait eu un beau rêve. C'était encore un tour de passe-passe du destin qui m'avait fait croire pendant 3 mois qu'il allait y avoir des miracles. Mais bon, c'était encore un gros pied de nez que m'avait fait le destin. Un de plus. Ça ressemblait à tous les autres que j'avais eu toute ma vie. C'était la désillusion la plus totale. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais non, ça suffit. Ça suffit. J'étais fatigué, j'étais usé, j'étais désespéré. Ça faisait des années que je vivais dans une solitude atroce. J'ai dit maintenant ça suffit, j'en veux plus. De toute façon, j'ai même plus aucun moyen de me sortir de cette situation. Alors maintenant on arrête. Et j'ai pris la décision de me tuer. Et quand je suis sorti de mon bureau ce soir-là, je me suis dirigé vers ma voiture. Je peux vous assurer que j'étais un zombie. J'étais blafarde, j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais la peur dans le ventre. Mais j'étais déterminé. Et je m'approche de ma voiture et je vois sur là un petit papier sur mon pare-brise et j'étais la seule voiture, ce qui m'intrigue un peu. Alors donc mécaniquement, je prends le petit papier, je le tourne et il y avait écrit « Tout va bien ». Ce papier a eu une histoire extraordinaire. Extraordinaire parce que je sais que c'était des anges. Vous savez, les anges sont parmi nous. Il y en a qui voient des démons partout, mais je peux vous dire qu'il y a encore 2 fois plus d'anges que de démons, ils sont beaucoup plus puissants. Mais je ne connaissais pas encore le Seigneur, je ne connaissais pas encore les anges. Mais ce qui s'est produit, c'est que quand j'ai saisi ce papier dans ma main, et je lis, et j'ai une joie qui m'envahit, complètement et surnaturelle, c'était complètement surnaturel, ça ressemblait à rien. Mais toujours est-il que je suis rentré dans ma voiture, mais je riais, enfin, tout allait bien, je riais. J'arrive chez moi, plus question de suicide du tout. J'arrive le lendemain à mon bureau, la situation était objectivement sans issue catastrophique.
Et à ce moment-là, dans la même journée, j'ai 4 énormes entreprises, dont certaines que j'avais, qui n'avaient jamais été mes clientes, donc certaines que je n'avais même jamais démarchées, je ne sais jamais comment elles ont eu mon adresse, comme ça, qui m'appellent en me disant, on voudrait faire une très grosse opération de relations publiques. Avant Noël, on est extrêmement pressé. Moi aussi, je l'étais. Alors, on a fait affaire très vite. J'ai monté 4 opérations, qui étaient d'ailleurs des opérations plus grosses que j'en avais jamais fait, à peu près de choses près, à une allure incroyable. Et le 31 décembre, j'arrivais à payer Ruby sur l'ongle mes 350 000 francs. Alors là, j'ai commencé à me dire, il y a vraiment... Là, je sentais que c'était... J'avais connu tout le surnaturel de la magie, des petites choses un petit peu étranges, de toutes les petites, vous savez, tous ces petits machins un peu bizarres qui se passent, etc. C'est un peu surnaturel, là, la kinésie, les objets qui bougent, tout ça qui m'avait fasciné pendant des années. Mais là, j'étais plus du tout dans le même surnaturel. Là, je sentais un surnaturel qui venait d'ailleurs, qui était d'une puissance inouïe, qui était d'une... Surtout que tous les mois, mais je touchais exactement ce qu'il me fallait, au centime près. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose d'incroyablement puissant, comme qui manifestement tenait tout en main. Je ne connaissais pas Dieu. Pas encore. Parce que c'est arrivé en février. En février, le Seigneur m'avait organisé un rendez-vous d'amour auquel je ne m'attendais pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Un jour, j'ai une de mes amies, bon, le Seigneur il nous aime tel que l'on est, hein. Et quelquefois, il s'amuse avec humour de nos défauts. Alors moi, j'étais snob. Je me croyais une de la très élitaire, très élitiste, vraiment le dessus du panier, vous voyez. Mais j'étais tout simplement une snob. Et un jour, j'ai une de mes amies princesse. Bon, donc ça... Hein, vietnamienne, bouddhiste, bon, déjà l'exotisme ça fonctionne, qui m'appelle et qui me dit, écoute, mon fils revient de New York, bon, et on lui a donné à New York une adresse d'un lieu à Paris, bon, alors là déjà quelque chose qui vient de New York, passant par une princesse vietnamienne bouddhiste, bon, déjà j'avais l'attention attirée, hein. Et alors, à ma grande surprise, elle m'a dit, figure-toi qu'on y est allé, c'est une église, ils sont tous fous là-dedans. Mais c'est drôlement rigolé, on s'est drôlement amusé. Alors quand elle me dit ça, ben, j'aurais dû normalement rigoler, quoi. Et puis les églises, je ne voulais plus y mettre les pieds de nouveau. Mais quand elle m'a dit ça, moi j'ai mon cœur qui s'est comme arrêté. Et j'ai dit, c'est là qu'il faut que j'aille. Je ne savais pas encore comment travailler le Saint-Esprit quand il nous donne tout d'un coup. C'est lui qui était en train de me dire, c'est là qu'il faut que tu ailles. Parce qu'il m'avait préparé là un rendez-vous. Quand elle me donne l'adresse, bon, enfin, moi je lui demande l'adresse avec une certaine anxiété parce que je m'attendais à ce que ça soit un endroit. Moi j'avais l'habitude d'aller dans tous les antres de spiritistes souterrains avec des adresses secrètes, etc. Je m'attendais à ce qu'elle me donne une adresse hyper fermée d'un club vraiment très caché où il fallait vraiment monter patte blanche pour entrer. Et je m'attendais en me disant si jamais c'est un peu trop loin ou un peu trop cher, j'irai pas. Hein. Et à ce moment-là, elle me donne une adresse, elle me donne l'adresse, et puis je dis mais c'est pas vrai ça. Bah oui, parce que ça faisait quand même 25 ans que je passais devant, que c'était un vieux cinéma, que je passais tous les dimanches devant le dimanche matin, que j'avais toujours dit, un lieu comme ça, c'est forcément une secte, et puis je ne mettrai jamais les pieds, parce que déjà, des gens de toutes les couleurs qui ont l'air joyeux le dimanche matin, c'est pas net. C'est pas net, je peux vous le dire. Hein. Moi, je suis une Parisienne normale. J'étais en tout cas une Parisienne normale, parce que depuis, je suis devenue complètement folle. Bon. Non mais à l'époque j'étais une Parisienne normalement constituée, c'est-à-dire que le dimanche matin je faisais comme tout le monde et dans la rue, la gueule. Et on est de préférence on est agressif envers tout le monde, parce qu'il faut mieux se méfier de tout le monde. Hein. On a simplement son club d'amis secrets qui sont les seuls qu'on peut voir. Et le reste, il faut se méfier de tout le monde. Donc des gens qui se marrent sur le trottoir le dimanche matin, qui des blancs, des jaunes, des rouges, des verts, qui s'embrassent en ayant l'air joyeux, bah, je peux vous dire que ça faisait drôlement secte. N'empêche que le dimanche matin, la première qui était là, c'était moi. Toute la semaine, j'avais frétillé en disant, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et une impatience. Ne me demandez pas pourquoi. Hein. Je serais bien incapable de vous le dire. Moi, je sais que c'était simplement le Saint-Esprit qui me donnait cette envie.
parce qu'il y avait un rendez-vous d'amour qui était préparé pour moi ce jour-là, dans ce lieu-là. Alors je suis rentré, j'ai vu un vieux cinéma. Alors moi qui avais l'habitude des églises compassées, solennelles, vous savez, on peut faire du skateboard entre les bancs, à condition de ne pas réveiller ceux qui dorment et qui sont là sagement à attendre. Donc, quand je vois arriver, que je vois là-dedans, d'abord, il n'y avait personne quand je suis rentré, bon, un vieux cinéma, en plus, je commence à voir rentrer des flots et des flots et des flots de personnes qui s'interpellaient d'un bout à l'autre de l'église, avec des gens qui se remuaient sur une scène, qui faisaient de la musique, et des gens qui avaient l'air de rigoler, de s'amuser, de s'aimer, en plus. J'étais vraiment demandé, j'étais en train de me demander où j'étais tombé. Mais bref, j'avais attendu toute la semaine, hein, j'y suis, j'y reste. Après tout, ils vont pas me manger. J'ai estimé que j'avais encore un petit délai de sauvegarde. En me faisant toute petite dans un coin, pas remarqué du tout. Bon, au milieu de 800 personnes, ça pouvait passer. Et puis le culte a commencé. Moi, j'étais arrivé une heure à l'avance. Hein. Alors le culte a commencé donc une heure plus tard. Entre temps, j'étais vraiment ahuri par tout ce qui se passait. Parce que ces gens, ils avaient vraiment l'air libre. Hein. Et puis les chants commencent, moi qui avais l'habitude aussi des chants un peu solennels. Hein. Bon, ils étaient en train de taper du pied, de taper des mains, ils avaient l'air joyeux, il y en avait qui poussaient des cris, n'importe quoi, ça fait un peu de désordre. Mais bon, il y avait des très beaux chants aussi. Et puis il y a tout d'un coup quelque chose qui est tombé du ciel sur moi. C'était comme un manteau d'amour, je me suis senti enveloppé d'un amour, d'une d'une joie. Quelque chose, c'était extraordinaire. C'était tellement inouï que je suis tombé par terre, je me suis mis à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et j'ai su, à cet instant-là, que j'étais entouré de Jésus, que j'étais en train de rencontrer Jésus, et que tout ce que j'avais cherché toute ma vie dans le désordre portait un nom, et que c'était Jésus, et qu'il était vivant. Et j'ai su qu'il m'aimait. Je l'ai su parce que j'étais enveloppé de son amour. Et que cet amour était inouï. Et que ça, j'avais jamais connu. Jamais. Ni cette paix, ni cette joie qui était en moi. J'avais jamais connu. Et puis, elle n'est pas partie. Parce que cette, la femme qui rentrait ce matin-là, c'était quelqu'un qui était ravagé. C'était quelqu'un qui était ruiné. Mais la femme qui est sortie ce jour-là, parce que j'ai été baigné dans cette lumière tout le long du culte qui durait 2h30, j'étais comme ailleurs, j'étais transporté. Et quand je suis sorti ce matin-là, j'étais quelqu'un d'autre, j'étais une nouvelle créature. Vous savez, quand on revient de si loin, dans l'occultisme, dans le monde des ténèbres, enfin du monde des ténèbres, le Seigneur parfois utilise des, je dirais, un bazooka ou un marteau de pilon. Et c'est à peu près ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé vraiment cette espèce de foudroiement, parce qu'il n'y en a pas d'autre, de foudroiement d'illumination. Et j'ai compris en une seconde qui était Jésus. Qui était Jésus. Et après, ben, je suis resté pendant des mois sans savoir dans quel lieu j'étais, vous savez. Je m'en fichais complètement. Je ne savais pas dans quelle église j'étais, je ne savais pas dans quel lieu j'étais, je ne savais pas dans quelle confession j'étais. Je m'en fichais complètement, parce que quand on a rencontré Jésus, je peux vous dire que les étiquettes humaines, on s'en fiche complètement. Et après, ben, j'ai appris très vite à donner toute ma vie au Seigneur Jésus. Quand j'ai compris qu'il m'avait vraiment donné sa vie. Quand j'ai compris qu'il m'avait donné sa vie personnellement. Vous savez, un jour, Jésus m'est apparu sur la croix. Je l'ai vu aussi. Il était sur la croix et il m'a dit, regarde ce que j'ai fait pour toi. Je vous assure qu'on ne l'oublie jamais ça. Mais j'avais déjà compris avant ce qu'il avait fait pour moi. Mais c'était vraiment pour moi personnellement, comme pour chacun de nous personnellement, nominativement. Parce que Jésus, quand il est monté sur la croix, il nous connaissait tous par notre nom. On n'est jamais anonyme pour lui. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et qui nous suit des yeux depuis la première minute où il nous a créés dans le ventre de notre mère. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Toute ma vie. Vous savez, j'en avais fait un tel gâchis de cette vie-là, j'ai eu aucun problème pour tout lui donner. Il m'a aussi appris à pardonner. On ne revient pas de vie comme ça sans avoir des haines. Moi, je portais 50 ans de haine de ma mère, 50 ans de haine de mon père. J'en avais même pas conscience, et pourtant, c'était des poisons venimeux en moi.
Il m'a fait la grâce de pouvoir pardonner. Il m'a révélé des pardons qui étaient, des haines qui étaient cachées en moi, dont j'avais même pas conscience. Il les a sortis comme des vieux abcès, puis les a jetés à la mer. Et il m'a transformé complètement. Et il a changé ma vie complètement à une rapidité foudroyante. Je n'étais même pas converti depuis 3 mois. Un jour, j'étais à mon bureau et le Seigneur me dit, je ne sais pas pourquoi, je me mis à tout d'un coup taper sur mon ordinateur. Ça part comme ça. 5 minutes avant, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et même pendant, je ne savais pas très bien ce que je faisais. Et j'ai écrit mon premier livre en 15 jours de 300 pages, dans lequel il y a 500 versets bibliques. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne savais pas ce que c'était qu'une concordance. J'ai vu la première concordance de ma vie une fois que j'avais mis la dernière virgule à mon livre, qu'il était fini. Je ne savais rien. Le Seigneur m'a donné les versets. J'ouvrais ma Bible n'importe où. C'est comme s'il avait mis un coup de stabilo. Il y avait des versets qui jaillissaient de la Bible et qui venaient s'intégrer exactement à ce que j'écrivais. Quelquefois, j'étais en train d'écrire dans mon truc et je disais, mais Saint-Esprit, écoute, si j'écris ça, les gens vont jamais me croire. Montre-moi que c'est dans la Bible. Bam, j'ouvrais, bam, tac. Alors je disais, mais c'est pas vrai, j'étais collé au mur. J'étais collé au mur. Je découvrais la présence du Saint-Esprit et j'ai eu une relation privilégiée pendant tout le temps où j'ai écrit ce premier livre avec le Saint-Esprit qui était hallucinante. Parce qu'il suppliait à mon inconnaissance. Maintenant, quand j'écris mes livres, bah, il me demande de travailler vraiment. Là, il m'a donné une connaissance de la Bible qui est déjà formidable, je trouve, en quelques années. Mais maintenant, il me demande un peu plus de sérieux. Mais là, il palliait à mon incurie totale, au fait que je ne connaissais rien du tout. Et puis, une fois que j'ai terminé ce livre, pour moi, ça pouvait être un témoignage qui allait circuler auprès de quelques amis. Mais bon, juste à ce moment-là, je rencontre une femme qui est écrivain, qui me dit, mais pourquoi vous n'envoyez pas votre manuscrit à Fayard? Alors moi, je rigole un peu parce que j'avais écrit 3 livres autrefois et que les 3 livres, bon, je pensais que c'était vraiment un truc hyper talentueux qui allait faire au moins tous les prix, Sulitzer, Goncourt, Magin, Patin-Couffin. Mais au bout de 3 ans, j'avais toujours pas trouvé d'éditeur. Pourtant, je les avais tous faits. Hein. Donc j'avais abandonné toute idée de devenir écrivain un jour. Alors quand elle me dit envoyer par Fayard, je rigole un peu au nez. Je dis, je connais, ils vont mettre 6 mois, 1 an pour me répondre. À la fin, je vais avoir une petite lettre en disant que malgré mon talent impérial, c'est pas dans leur politique du moment. Bon, j'envoie quand même à tous les 8 jours après, patron de Fayard, un des patrons de Fayard qui m'appelle en disant, vous savez, on n'a pas lu votre livre, mais on l'édite. Commencez à éternuer. Quelques mois plus tard, quand il est paru, le livre, il allait paraître parce que les premiers exemplaires n'étaient pas encore sortis. Et il les allait sortir 3 jours plus tard. Et il y a l'émission Extébris qui m'appelle en disant, on n'a pas lu votre livre, mais est-ce que vous voulez participer à notre émission dans 8 jours? Et là, j'ai commencé à entendre le Saint-Esprit qui me disait, tu vois, quand c'est moi qui m'occupe des choses, ça se passe beaucoup mieux que quand c'est toi qui t'en occupes. En fait, tout a été comme ça avec le Seigneur. Après, il m'a ouvert d'une manière complètement inattendue. J'étais arrivé en Suisse pour corriger un livre et je me suis retrouvé en train de faire la tournée de 14 assemblées. Tout s'était mis en place en 8 jours. C'était un truc complètement incroyable. Mais c'était le plan de Dieu. Et quand Dieu ouvre les portes, il ouvre les portes. Non seulement 14 assemblées, mais 24 émissions de radio. Complètement hallucinant. Quand Dieu fait les choses, quand on lui remet notre vie, et quand on rentre dans les œuvres qu'il a préparées pour nous, je vous assure que le surnaturel auquel on assiste n'a strictement rien à voir avec le surnaturel du diable. Et surtout, le surnaturel de Dieu, il est absolument merveilleux, plein de douceur, plein d'amour. Ma vie a changé, complètement changé. Il y a eu une femme qui a vécu 50 ans dans les noirs, dans les ténèbres. Ma vie a commencé à 50 ans avec Jésus, un jour de février 92. Ma vie a vraiment commencé ce jour-là. Il n'y a plus rien à voir entre la femme que je suis aujourd'hui et la femme que j'étais avant. Ça n'empêche pas le Seigneur de limer encore un peu, d'arracher jour après jour les pans du vieil homme. Mais bon, c'est quelquefois un peu douloureux. Mais comme c'est merveilleux de vivre avec le Seigneur Jésus. Voilà mon histoire, voilà comment j'ai rencontré Jésus. Et voilà comment chacun d'entre nous peut un jour rencontrer Jésus.
parce que le jour où j'ai eu Jésus en face de moi, devant moi, en moi et autour de moi, j'ai compris d'une manière fulgurante que la seule raison pour laquelle j'étais venu dans ce monde, c'était pour cette rencontre-là. Et qu'il n'y avait aucun autre but qui ait le moindre intérêt dans le monde. Et maintenant que j'ai rencontré Jésus, que je l'ai dans mon cœur, eh bien mon but, c'est de faire ce que Dieu veut que je devienne. Et c'est merveilleux de vivre avec le Seigneur jour après jour. Maintenant, je vis complètement par la foi. Le Seigneur est fidèle. Il m'a demandé, un jour il m'a dit, maintenant ça suffit, tu vends ton entreprise. Oh, je dis, zut, Seigneur, c'est pas sympa. Avec toi, j'étais en train de commencer à vraiment faire fortune. Toi, comme commercial, dans mon truc, voilà, je rivais le clou à tout le monde. Et maintenant, tu me demandes de vendre mon entreprise. Bon, je dis, Seigneur, d'accord, je lève pas le petit doigt. Si tu veux que je vende mon entreprise, comment veux-tu que je vende une entreprise de communication avec la crise qu'il y a, alors que sont toutes les boîtes de communication sont en train de licencier et de fermer leurs portes? Alors, si tu veux que je la vende, tu me trouves l'acheteur. Le lendemain matin, m'appelle un copain qui habitait Caen. Moi, j'étais à Paris. Je l'avais pas eu depuis 5 ans au téléphone. On échange quelques propos, quelques souvenirs, quelques trucs, machin. Et puis, je parle comme ça vaguement du fait que j'allais peut-être vendre mon entreprise. Il me dit, ah, tu sais pas, j'adore vendre les entreprises. Mais je lui dis, mais attends, arrête, c'est pas ton métier. Il dit, oui, non, mais c'est mon hobby. Je dis, bon, bah écoute, voilà, je t'envoie les papiers, je t'envoie les trucs, je t'envoie les documents. Ce que je savais pas, c'est qu'en plus, sa femme était notaire. Bon. Donc, pouvait tout faire aussi. Bon. Et 8 jours plus tard, il m'appelle en disant, tu sais, c'est rigolo parce que je suis allé à Angers dans un cocktail. Et là, j'ai rencontré une femme qui venait de Tours. Puis, bon, je la connaissais pas, mais on a papoté. Elle m'a dit qu'elle avait envie d'acheter une petite boîte de communication à Paris. Et je lui ai parlé de la tienne. Et elle dit, c'est exactement ce qu'elle veut. Elle est d'accord pour te rencontrer la semaine prochaine. Bon, effectivement, la semaine prochaine, on commençait à mettre en rail la vente de l'entreprise. J'ai dit, Seigneur, alors toi, quand tu vas chercher des acheteurs, c'est vraiment du rapide. Hein. Mais alors, les distances n'étaient pas trop limitées. Hein. Donc, j'ai commencé à faire tous les papiers, puis j'ai vendu mon entreprise. J'avais fait des savants calculs en disant, bon, ça, c'est super. Mon entreprise, je l'ai vendu à un prix à peu près raisonnable, bon, moins cher, mais compte tenu de la conjoncture, je m'en sors quand même pas trop mal. Et puis, bon, comme elle m'a demandé de pouvoir me le payer mois après mois, bon, ben c'est très très bien. Comme ça, tous les mois, ça va me faire une rentrée. Le temps que j'écrive une dizaine de livres, je vais m'en sortir. Enfin, j'avais fait tous mes petits calculs, comme ça. Et ouais, sauf que le mois suivant, j'apprenais qu'elle n'avait pas un rond, qu'elle ne pouvait pas me payer mon entreprise, et elle ne me l'a jamais payé. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, comme ancienne gérante, j'avais le droit à aucun chômage, aucun ACDIC. Je n'avais plus rien pour vivre, je n'avais pas de métier, je n'avais plus aucun espoir de trouver une situation. J'avais un loyer qui était cher, je possédais rien, hein, et j'avais plus aucune rentrée du jour au lendemain. Et j'ai dit, Seigneur, t'as créé la situation, tu te débrouilles. Le Seigneur, il est fidèle. Hein. J'ai vécu d'une manière assez étonnante, parce que je peux vous dire que le Seigneur, il m'a fait passer dans un lamis noir. Bon, j'avais eu des postes très hauts dans des cabinets mystérieux, j'avais des chefs d'entreprise, j'avais de là. Et ça, je me suis retrouvé pendant 4 mois, garde-mamie d'une vieille dame acariate, colérique, extraordinairement cupide. Eh bien, je peux vous dire que le laminoir de l'orgueil pour la petite d'Astier, ça a été assez rude. Mais bon, je manquais de rien. J'ai quand même senti la présence du Seigneur pendant tout ce temps-là. Mais après ces épreuves, le Seigneur m'en a mis un peu moins d'épreuves. Et puis un jour, il m'a mis dans l'endroit le plus beau qui soit. Et je vis vraiment dans un endroit absolument magnifique maintenant, qui est encore un miracle du Seigneur. Moi, vous savez, j'aime bien les miracles du Seigneur. Je me mets du pas, moi j'en veux toujours plus. Eh bien oui, nous avons un Dieu de miracles. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Et quand on donne sa vie à Jésus, croyez-moi que lui ne nous oublie pas. Et que nous pouvons vivre des choses formidables, passionnantes. Parce que toute ma vie, que d'aucuns auraient pu juger passionnante, vu tout ce que j'avais fait dans ma vie, ma vraie vie, la vie vraiment passionnante, elle a commencé depuis que je suis à Jésus. C'était Racontez-moi. Pour commander ce témoignage, envoyez-nous un mail à racontez-moi@éclaircie.com.